Devant mon entreprise, il y a une vitrine. J'ai vu en bas de cette vitrine qu'il y avait un homme avec un lance-roquettes et une Kalachnikov. J'ai vu tout de suite qu'on était en situation de danger, donc je me suis retourné. J'ai été jusqu'à voir mon employé Lilian pour lui dire de se cacher. Et j'ai fait demi-tour en allant, comme je sais qu'on ne pouvait pas se cacher à deux, j'ai fait demi-tour en allant vers eux. Et là, j'avoue que je pensais que les choses étaient cuites, faites, finies. En fait, ils sont montés, ils n'ont pas été agressifs. Ils ont dit, vous inquiétez pas, rentrez là. Voilà. À ce moment-là, ils m'ont dit, vous voulez boire quelque chose? J'ai dit non, mais si vous voulez, vous pouvez boire. Si vous voulez, je vous offre un café. Voilà. J'ai donc offert un café à ces gens. Comme je ne savais pas où était caché Lilian, je savais qu'il était caché, mais où, j'en sais rien, puisqu'il nous avait. Comme je me suis retourné tout de suite pour aller les accueillir, entre parenthèses, je ne savais pas dans quelle pièce il s'était caché de mon entreprise. J'ai voulu qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout pour qu'ils tombent sur lui. Donc ils sont venus me voir et c'est là que j'ai remarqué qu'il était blessé. Et quand j'ai senti il avait une certaine tension, j'ai dit si vous voulez, je peux vous soigner. Son frère a dit oui, vous pouvez le soigner. Donc il s'est assis et je l'ai soigné une première fois, une deuxième fois, parce que le pansement ne tenait pas. Je me suis aperçu que c'était une plaie superficielle. J'ai fait une deuxième, calmement, je l'ai refait son pansement qui était trop serré. Peur. Je ne sais pas comment j'ai fait pour rester calme. Je suis resté calme tout le long de ça. Dans ces situations-là, évidemment, situations auxquelles je ne suis jamais confronté, vous en doutez. Je n'ai jamais. J'ai toujours resté calme, j'ai toujours parlé, j'ai toujours essayé de. Puisque de toute façon, dès le départ, j'imaginais que je ne serais pas en vie le soir. Donc, j'ai pas eu peur, non, je dois le dire. Ils n'ont jamais été en plus agressifs vis-à-vis de moi, jamais. Même quand ils ont tiré sur les gendarmes, ils sont remontés, j'ai jamais eu de sentiment qu'ils allaient me faire du mal. Même si ça paraît incroyable, c'est exactement la situation dans laquelle j'étais. En fait, ils ont eu une once d'humanité, c'est par rapport à moi, puisqu'ils m'ont laissé sortir. C'est incroyable aussi qu'ils n'ont pas trouvé l'autre. Oui, c'est pas incroyable, c'est magnifique, oui. Parce que, en fait, c'est ce que j'ai. C'est ce que je craignais le plus. Voilà.